comment ça se passe? You got me. Il est comme porté par ses supporters qui se font de plus en plus nombreux. Et bien, on a passé un très très bon moment, c'était un très joli film avec une très très jolie histoire. On a ri, on a pleuré, on a... voilà, c'était très très joli. Et je pense que les amoureux du vélo vont beaucoup, enfin, vont passer un très très bon moment. Vous voulez pas aller rouler une balancée, non? Quand on est passionné de vélo, c'est énorme d'avoir un film comme ça, quoi. Ouais, c'était super bien. Ouais, le film était extra, donc un bon moment. C'était un très bon film qui retrace très bien le Tour de France. Déjà, je suis de Haute-Pyrénées, j'aime bien le vélo, c'est un super film. C'est plutôt agréablement surpris, oui, par le thème, mais en même temps par la façon dont l'acteur majeur a joué. Bon, c'est un côté attachant. Oui. Voilà, je vous appelle parce que j'ai décidé de faire le Tour de France. En fait, je vais faire l'étape un jour avant les pros. Une comédie très agréable, avec une histoire qui colle bien au cyclisme, avec le rêve d'un amateur qui veut se rapprocher des pros, et je pense qu'il y a du fond et une belle histoire. Oui, il était excellent, un beau film, oui. J'ai trouvé très très bien, c'était très bien fait, de l'humour et tout à fait. Bien, un super film, ouais, bien. Ça m'a plu, hein, c'était vraiment sympa, là, une comédie, je pense, qui va plaire, hein, j'espère qu'il aura beaucoup de succès. Un très beau film avec des paysages magnifiques. C'est un beau Tour de France. Bah écoutez, je suis agréablement surprise parce que c'est pas facile de filmer le vélo. Donc j'ai vu Mont-Laurent, merci à l'équipe et puis bravo à Clovis d'avoir si bien pédalé, hein, parce que c'est pas facile. Voilà. Je suis collé là. Est-ce que tu vois l'Arc de Triomphe? Ben non. Eh bien, tu t'arrêteras quand tu le verras. Allez, vas-y, pousse maintenant.